Eh bien, bonjour, bonjour à... Ah, ben non, on n'y est pas encore, en fait. Si, si, voilà, on y est, pardon. Bonjour à tous, bienvenue pour sur ce nouveau grand live du Grand Défi. On est vraiment ravis de vous accueillir. Et aujourd'hui, donc, nous recevons, pour parler de la finance, de la finance durable, pour reprendre l'expression qu'on entend beaucoup, nous accueillons donc Philippe Zawati. Auparavant, je voulais juste vous donner... rapidement quelques nouvelles du Grand Défi pour vous dire que ben, nous progressons. Là, je sors d'une réunion passionnante, par exemple, sur la grande consultation, vous savez, qui constituera la première étape du Grand Défi et auquel nous allons pouvoir associer l'ensemble des parties prenantes de l'économie, à savoir évidemment des réseaux d'entreprises, mais aussi des partenaires sociaux, des territoires, des réseaux citoyens, des associations. Et cette grande consultation qui doit avoir lieu à la fin de cette année, en 2021, et qui nous permettra en gros d'avoir une vision finalement sur non seulement les attendus vis-à-vis du grand défi, mais plus globalement les leviers et les préoccupations, les leviers pour actionner la transition, mais en même temps les préoccupations, voire les freins qui aujourd'hui gênent cette amplification du mouvement. Donc tout ça sera l'objet de la grande consultation et qui permettra ensuite à nos 150 tirés au sort, nos 150 représentants d'entreprise, de travailler à partir de ce rapport, de cette analyse. Donc tout ça est extrêmement intéressant et donc on se réjouit de la progression de nos travaux de préparation, en même temps qu'on se réjouit d'accueillir des nouvelles marraines, des nouveaux partenaires. Il y a 2 jours, je crois, par exemple, nous avons pris Ashoka rejoignait le mouvement. Vous voyez, on a une grande diversité d'acteurs et bien sûr, je vous invite pour connaître toutes ces nouvelles, soit à nous suivre sur notre page LinkedIn, soit à vous abonner à notre newsletter, la prochaine sortant demain, et puis bien sûr, à aller sur le site legranddéfi tout attaché.org. Voilà, donc maintenant, je voudrais qu'on accueille Philippe Zawati. Philippe Zawati, je vais vous présenter pour peut-être les 2 personnes, surtout ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous êtes membre du. Alors, déjà, première chose très importante, vous êtes membre du comité éthique et scientifique du Grand Défi. Et surtout, vous êtes donc directeur général de Mirova, qui est une société de gestion, qui est une filiale de Natixis, société de gestion spécialisée dans l'économie durable, les énergies renouvelables, le marché des obligations vertes. Et je précise qu'aujourd'hui, Mirova gère 23,5 milliards d'actifs et que cette société de gestion se distingue aussi pour être devenue une société à mission, dont la raison d'être est formulée de la sorte, contribuer à une économie plus durable et plus inclusive. Une raison d'être qui est finalement très proche de celle que nous formulons pour le Grand Défi. Et donc, je vais tout de suite vous poser une première question et j'invite tous ceux qui nous regardent évidemment à formuler aussi leurs questions sur le chat. Comme ça, je pourrai les poser à Philippe Zawati. Donc, première question, en lisant la présentation de Mirova, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Mirova, c'est extrêmement intéressant. Quand on lit la présentation de Mirova, on a tout de suite envie de vous poser, de vous demander de vous poser cette question un petit peu triviale, un peu provocatrice peut-être. Donc, il est possible de réaliser des investissements financièrement performants grâce au développement durable? Est-ce que le développement durable est une source de performance économique et financière, Philippe Zawati? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous et à la fois pour soutenir le grand défi et puis pour effectivement vous donner un éclairage sur la finance. Merci de me poser cette question parce qu'en fait, comme je dis toujours, c'est une question qu'on finit toujours par me poser, mais généralement au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, mais on y arrive toujours à ça. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on a beau parler de changer le monde, changer la planète, tout ce qu'on voudra, le changement climatique. À un moment donné, il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit: oui, mais ah, d'accord, mais tout ça, là, à la fin, ça vous permet de gagner de l'argent ou pas? Donc, OK, commençons par ça, comme ça, on va évacuer cette question une fois pour toutes et puis on va pouvoir parler de choses plus profondes. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Bon, d'abord, clairement,
notre objectif est de créer de la performance. Alors simplement, il faut définir ce que ça veut dire la performance. Nous, la performance, elle est multiforme, la performance. On veut créer de la performance économique, environnementale et sociale. C'est ça ce qu'on cherche à faire. Donc évidemment, ce n'est pas uniquement ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas de la gestion avec uniquement des caractéristiques éthiques, c'est de l'investissement. J'ai toujours dit la chose suivante, c'est que dans investissement responsable, le mot important, c'est investissement. Mm-hmm. Parce que c'est notre métier. Je crois que la chose la plus importante est dans tout ce qu'on est en train de faire là, autour de la durabilité, du changement climatique, etc., c'est précisément que chacun fasse sa part à l'intérieur, dans son métier. Donc, quand on est un investisseur, on doit redéfinir la notion d'investissement et faire en sorte qu'elle soit compatible avec ce monde qu'on a envie de voir. Donc, ça veut dire que si on ne crée pas de valeur économique, eh bien, on n'existe pas. Si on ne crée pas de valeur économique ou qu'on ne crée pas de performance financière, on n'a pas 23 milliards, on n'a pas des investisseurs qui vous confient 25 milliards d'euros. Ça n'existe pas. Et donc, si vous voulez avoir un impact environnemental et social, il faut aussi avoir un impact économique et donc avoir un impact sur la performance financière. Ça, c'est la première façon de répondre à la question. La deuxième façon, c'est de dire, mais OK, mais est-ce qu'on y arrive concrètement et comment on fait pour y arriver ? Il faut voir que il y a 1000 façons de créer un portefeuille qui soit performant. Il y a aujourd'hui, si vous prenez le marché des actions, vous avez, 3000, 4000 entreprises cotées en bourse qui sont disponibles, dans lesquelles vous pouvez investir. Fabriquer un portefeuille qui contient 50, 60 valeurs, si vous voulez, vous avez différentes façons de le faire. Il n'y a pas que la façon de Mirova, il y en a certainement d'autres. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il existe des façons de faire ça, en prenant en compte les facteurs environnementaux et sociaux. Ça existe, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que le monde économique est en train de changer. À la limite, ce que je dis aujourd'hui, j'avais plus de mal à le dire il y a 10 ans et même encore il y a 5 ans. C'est que on ne peut trouver des opportunités d'investissement que dans un monde qui change, dans un monde qui a de l'innovation, qui produit quelque chose de nouveau. Or, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, accompagner ce monde-là, c'est évidemment quelque chose qui peut permettre de créer de la performance en créant des opportunités. Je vais terminer par ça parce que généralement les financiers commencent par ça. Il y a évidemment la notion de risque qu'on commence à voir de façon assez évidente. Les fameux risques dont le directeur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, parlait en 2015, qui sont les grands risques liés au système financier. C'est-à-dire le risque physique d'abord, et on commence à le voir, il y a des risques physiques, il y a des entreprises qui sont soumises au risque physique du climat aujourd'hui, et donc prendre en compte ces risques-là, c'est aussi améliorer potentiellement sa performance. Et puis il y a des risques qui ne sont pas des risques physiques, mais qu'on appelle des risques de transition, qui sont le risque que la valorisation de certains actifs s'écroule, parce que ce sont des actifs dits échoués, c'est le cas notamment ça peut être le cas, par exemple, de certains actifs dans le domaine des fossiles, par exemple du charbon. Et donc là, on va avoir un véritable risque financier de détenir ces actifs-là. Et donc, s'en écarter, c'est aussi potentiellement créer de la performance. Voilà les différents axes possibles. Et donc, en réponse courte, la réponse est oui. Bon, eh bien écoutez, j'espère qu'il y a de nombreux investisseurs qui vous entendent. Évidemment, quand on vous écoute, ça paraît limpide, cette notion d'opportunité liée finalement à la transition et au changement. Et pourtant, récemment, une étude conduite par l'EDEC a souligné que malgré la communication assez importante de l'industrie financière en général, eh bien le décalage reste encore très important entre d'une part les promesses de stratégie d'investissement qui favoriseraient la décarbonation et d'autre part la prise en compte réelle des performances climatiques des entreprises dans les fonds ou dans les indices financiers. Au point que l'EDEC parle de greenwashing, évoque le concept de greenwashing de portefeuille, et que de nombreux dirigeants d'entreprises eux-mêmes continuent de dire que ils sont gênés dans la mise en œuvre de politiques d'investissement un peu plus ambitieuses en termes écologiques, en termes d'environnement, parce que ça s'opposerait aux exigences de leurs investisseurs. Alors comment, de votre côté, vous expliquez un tel écart, une telle inertie entre le déclaratif et le réel, et entre le besoin et l'offre, finalement.
Bah, ça s'explique d'abord parce que c'est un mouvement qui est extrêmement récent. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui existe depuis 10 ans ou 20 ans. Mmh. La finance durable, moi, j'ai plongé dedans il y a 10 ans. Et donc, les gens qui m'écoutent aujourd'hui ont l'impression que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais en fait, non, j'ai découvert ça il y a 10 ans, après 20 ans de carrière dans la gestion d'actifs. Et à cette époque-là, on était quelques acteurs, quelques pionniers vraiment à s'intéresser au sujet. C'était microscopique, c'était une petite niche. Et ça allait rester pendant très longtemps. Si vous voulez, jusqu'en 2015-2016, dans le monde de la finance durable, il se passe pratiquement rien. C'est-à-dire que vous avez quelques acteurs qui font des choses intéressantes et puis 99% du marché qui ne fait pratiquement rien. C'est à partir de 2015-2016, à partir de quelques éléments fondateurs dont je viens de parler d'ailleurs. Vous voyez, c'est quand vous avez le patron de la Banque d'Angleterre qui dit « Attention, on a un risque systémique. Si on ne s'intéresse pas au climat, c'est le système financier dans son ensemble qui peut s'écrouler. Il y a des risques majeurs. » Vous avez un premier élément qui est très fort. Vous avez l'étude de Carbon Tracker en 2015 qui est super intéressante, qui est une ONG anglaise qui nous dit qu'il va y avoir des actifs échoués dans les compagnies pétrolières parce qu'on valorise aujourd'hui les compagnies pétrolières en fonction de leurs réserves prouvées. Mais si on brûle toutes ces réserves, on est sûr d'aller à plus 4 degrés. Donc, on peut espérer qu'on ne va pas tous les brûler. Donc, ça veut dire que la valorisation actuelle des compagnies pétrolières est surestimée. Donc, il y a ce qu'on appelle ces actifs échoués. Vous avez ensuite, évidemment, la COP 21 qui arrive en 2015. Et tout ça, c'est au même moment, vous voyez, c'est 2015-2016. Et c'est là qu'on commence à peine à voir, finalement, cette émergence de la finance durable. Donc, en gros, c'est une histoire qui a 5 ans. C'est une histoire qui a 5 ans, qui s'est accélérée avec maintenant une prise de conscience un peu générale, qui s'est accélérée aussi beaucoup avec de la réglementation. Tout le travail qui a été fait par l'Union européenne, notamment avec son plan d'action sur la finance durable, beaucoup plus de transparence qui sont demandées à l'ensemble des acteurs. Et puis, effectivement, une demande des investisseurs institutionnels qui veulent se positionner sur ces sujets. Donc, on est sur un mouvement extrêmement récent. Et ce mouvement extrêmement récent, il a une particularité depuis maintenant 2-3 ans à peine, c'est qu'il est en train de se généraliser. C'est-à-dire qu'il partait d'un certain nombre d'acteurs qui étaient extrêmement limités et qui étaient très convaincus et qui faisaient ça avec une très forte conviction. Donc Mirova en fait partie, mais il y a quelques autres. Et puis, vous avez maintenant une généralisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler d'une dizaine d'acteurs, c'est tout le monde en parle. Tout le monde, en même temps. Et donc, tout le monde vient répondre à des questions, tout le monde va dans des séminaires, tout le monde fait ses politiques ESG, tout le monde annonce qu'il va devenir plus vert que vert, et ainsi de suite. Et donc, cette généralisation, elle est à la fois super intéressante et évidemment super positive, parce que c'est ce qu'on cherchait. Je veux dire, c'est bien ça qu'on demande depuis maintenant 10 ans, en disant il faut que ça se généralise. Et en même temps, elle est... évidemment source d'un risque, si ce n'est une réalité de greenwashing absolument majeur. Parce que, évidemment, à partir du moment où tout le monde en parle, eh bien, à l'intérieur de ce tout le monde, vous avez tout et n'importe quoi. Enfin, il faut bien... Et donc, la question ensuite, c'est de savoir, une fois que tout le monde se jette dans le bain, comment est-ce qu'on arrive à différencier ce qui est sérieux de ce qui ne l'est pas, ce qui a vraiment de l'impact de ce qui n'en a pas, ce qui est à l'échelle et ce qui ne l'est pas. Voilà, ça, c'est des vraies questions. Et ces questions-là, et c'est très bien qu'effectivement des instituts comme l'EDEC et comme d'autres se plongent là-dedans et regardent ce qui se passe, parce que c'est pas forcément super facile. C'est pas forcément super facile parce que quand on regarde de l'extérieur, quand on n'est pas un spécialiste, eh bien, différencier une démarche extrêmement ambitieuse d'une démarche qui est juste de la peinture verte assez rapide sur ce qu'on veut faire, c'est pas facile à faire. C'est pas simple. Ça saute pas aux yeux forcément. Pour ça, on a besoin de normes, de standards, de labels, de transparence. Et donc, c'est un gros enjeu de la régulation dans les mois et les années qui viennent. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites à propos de cette généralisation, de cette demande très importante de la part des différents acteurs de l'industrie financière, ça veut dire que ça demande des outils. De mettre en place des nouveaux outils, de mettre en place des nouveaux labels, vous l'avez évoqué, de nouveaux indicateurs.
Donc, on comprend bien l'enjeu pour pouvoir comparer ce qui est comparable et éviter le phénomène de greenwashing dont on entend effectivement aussi beaucoup parler depuis quelques temps. Parmi, et vous l'avez mentionné aussi, parmi les acteurs qui se penchent sur la question, il y a évidemment l'Union européenne. Et là, je fais référence en particulier à la mise en œuvre de la taxonomie européenne qui doit avoir lieu dans un an exactement. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore la taxonomie, la taxonomie européenne, ça désigne un outil de classification qui fournit à tous les acteurs financiers une même compréhension de ce qui soit, il doit être vu, perçu, considéré comme une activité verte. Autrement dit, c'est un outil qui doit permettre d'orienter les flux d'investissement, les flux de capitaux vers les activités durables en donnant aux investisseurs une vision plus claire, que comme ils le demandent, vous le disiez tout à l'heure, les financements institutionnels le demandent, une vision plus claire des activités économiques qui justement contribuent à la réalisation des grands objectifs environnementaux de l'Union européenne et qui permettra donc de les comparer entre elles. Alors pour vous, Philippe Zawati, est-ce que la mise en œuvre de cette taxonomie européenne va faire levier? Est-ce qu'elle répond à ce besoin que vous avez évoqué et que je viens de développer? Et est-ce que ça va permettre d'accélérer la transition économique et écologique au sein de l'Union européenne en tout cas? Pour vous, est-ce que la taxonomie a une chance aussi de se généraliser au-delà des frontières de l'Union? Parce que ça, c'est un énorme enjeu, évidemment. Et éventuellement, quelle analyse critique vous faites de cette politique européenne? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui voient que c'est sérieux, enfin que la mise en œuvre va avoir lieu et qui commencent à s'emparer du sujet, éventuellement avec avec un peu de résistance. Donc, quelle est votre vision de cette taxonomie? Bonne nouvelle, s'il y a de la résistance, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Bon, d'abord, l'Union européenne a fait un travail extraordinaire quand même ces dernières années. Enfin, l'Union européenne est en avance sur le reste du monde et est en train de, comme elle l'a fait sur d'autres sujets, de s'installer comme un faiseur de normes sur ce sujet-là. Et je pense que c'est super important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les entités, notamment les Américains ou les Chinois, fabriquer de la norme sur ces sujets-là. Il faut qu'on soit... qu'on définisse nous-mêmes ce qu'on veut, et parce que la vision européenne, il faut quand même bien le dire, elle est différente de celle qu'on a aujourd'hui aux États-Unis ou en Chine. En Chine, je passe, c'est une vision très directive et étatiste, mais surtout aux États-Unis, vous avez, enfin, le monde anglo-saxon, on va dire, de la finance aujourd'hui, et de l'économie et de la finance, n'a pas la même vision que l'Europe. Je vous l'expliquais juste avec une notion qui sous-tend en quelque sorte tout ce travail de taxonomie européenne et de réglementation européenne, qui est ce qu'on appelle la notion de double matérialité. Mm-hmm. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'agences de notation extra-financière, beaucoup de réglementations au niveau qui sont faites aux États-Unis notamment, considèrent que finalement, la performance financière prime sur tout le reste. C'est-à-dire que on peut regarder ces sujets environnementaux et sociaux, mais on ne les regarde que s'ils ont un impact sur l'entreprise et son cours de bourse. C'est ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire que vous regardez les impacts de l'environnement sur l'entreprise. Donc typiquement, par exemple, ces impacts peuvent être divers. Ça peut être effectivement des impacts physiques, comme je disais tout à l'heure. Donc là, vous les regardez parce que vous dites, attention, il y a un risque d'inondation pour cette usine et donc ça peut avoir un impact sur l'entreprise, donc je les regarde. Vous regardez aussi les sujets réglementaires, vous dites attention, dans tel pays, il va y avoir un prix du carbone, et donc à partir du moment où il y a un prix du carbone dans ce pays, eh bien, ça va impacter le business de l'entreprise, et donc je le regarde. Mais dans le pays à côté où il n'y a pas de prix du carbone, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas, parce que ça n'a pas d'impact sur l'entreprise, l'entreprise peut continuer à faire son business as usual, sans trop de problèmes. Ça, c'est la vision, je dirais pour caricaturer, hein, je ne vais pas faire d'opposition systématique, mais disons une vision un peu financière, un peu anglo-saxonne du sujet. La vision européenne, elle, est de dire on doit regarder les deux côtés de la pièce, la double matérialité, c'est-à-dire l'impact effectivement de l'environnement sur l'entreprise, mais aussi l'impact de l'entreprise sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'impact, ces externalités. Et donc toute la réglementation européenne se fonde sur cette notion-là. Donc ça, c'est extrêmement, structurant et fondamental. La taxonomie est un de ces éléments. C'est une des pièces du puzzle.
La taxonomie, c'est simplement une définition, une grammaire commune pour qu'on puisse définir assez clairement ce que ça veut dire un actif vert aujourd'hui. Bon. Donc, cette définition a été faite, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a encore quelques... Bon, elle n'a pas été adoptée encore de façon définitive parce qu'il reste encore quelques... Notamment quelques débats un peu inextricables et très politisés sur la place du nucléaire et la place du gaz dans la taxonomie. Et donc, on est encore un petit peu coincé avec ça. Mais disons que si on met le gaz et le nucléaire de côté, sur tout le reste, vous avez, sujet par sujet, une définition de ce qui est vert. Alors, comment est-ce qu'on définit ce qui est vert ? Et on le définit avec... trois caractéristiques, hein, c'est comme ça qu'est fabriquée la taxonomie. Première caractéristique, c'est qu'il faut que le produit en question, l'offre en question, offre une solution significative à la question. Alors, en l'occurrence, c'est une taxonomie sur le climat, hein, donc offre une solution significative au changement climatique, soit sous son angle réduction, soit sous son angle adaptation. Ça, c'est le premier élément, et donc on va trouver dans cette taxonomie uniquement des solutions, énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc., qui offrent une solution significative. Deuxième volet, c'est qui est maintenant sous le fameux sigle de DNSH, qui se répand au niveau européen, qui veut dire do not significant harm, donc ce qui veut dire qu'en fait, on a une solution qui est positive pour le climat, mais il ne faut pas que ça significantly harm une autre, donc c'est-à-dire que ça pèse négativement sur notre objectif environnemental. Par exemple, si vous avez une solution qui va réduire les émissions de CO2, mais qui, pour y arriver, pollue énormément sur d'autres sujets chimiques, par exemple, ou d'autres, eh bien, ça ne sera pas dans la taxonomie parce que vous avez un côté positif, mais vous avez un côté négatif significatif. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les safeguards. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'on respecte les grandes lois internationales. Ça veut dire que, par exemple, évidemment, on ne va pas avoir... si vous fabriquez des panneaux solaires, mais que pour ça vous faites travailler des enfants de moins de 12 ans, vous n'êtes pas évidemment éligible à la taxonomie parce que évidemment vous avez des objectifs négatifs. Donc voyez ça c'est ça le cadre général. Ce cadre général, il aboutit aujourd'hui à un tout petit pourcentage de l'économie qui est concerné hein, sur ce sujet climat. Ces solutions, ça représente, si vous regardez l'indice de référence mondial de la bourse, hein, le MSCI par exemple, eh bien vous n'avez qu'entre 2 et 3% des entreprises, de l'activité des entreprises qui est concernée par cette taxonomie. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal parce que, d'abord parce qu'on sait bien qu'on est dans une économie qui n'est pas alignée, hein, sinon on n'aurait pas besoin de faire tout ça. Là, et puis ensuite parce qu'il y a beaucoup, une grosse partie de l'économie aussi qui n'est pas concernée par ces sujets-là aujourd'hui. Il y a des entreprises qui sont par définition, qui n'ont pas d'impact sur le climat, majeur, vous voyez, vous prenez une entreprise, je ne sais pas moi. Numérique, d'une certaine manière. Numérique, on peut encore en discuter, voilà, mais une grosse boîte de médias, par exemple, clairement, elle a peu de chances d'offrir des solutions au développement durable, et en même temps, elle a peu de chances d'être extrêmement négative. Donc, elle ne va pas être dans cette. Elle ne va pas être concernée, pratiquement. Donc, c'est donc. Voilà un peu comment on définit ça. Et puis donc, la taxonomie va être élargie demain au sujet hors climat. Hein. Donc, il y a les six sujets environnementaux. Donc, il y a la pollution, le traitement de l'eau, etc., qui vont être ajoutés. Donc, ce 2-3% va augmenter parce qu'on va trouver des solutions permettant d'améliorer l'assainissement ou l'eau. Et donc, ils vont se rajouter à ces solutions pour le climat, à condition qu'elles ne soient pas négatives pour le climat, évidemment. Et donc, on va progressivement, comme ça, constituer un ensemble de secteurs, d'entreprises qui sont positifs pour l'environnement, avec l'objectif évidemment de les faire croître. Alors, après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là où il y a quelquefois des polémiques et des discussions autour de ça, parce que les entreprises disent « Oulala, mais vous rendez compte, je ne suis pas dans la taxonomie, ou une grosse partie de ce que je fais n'est pas dans la taxonomie, ça veut dire que vous pointez du doigt mon activité, que demain, vous allez demander aux banques et aux instituts, aux financiers de ne plus investir dans mon entreprise. Et donc, il y a une énorme critique de la part de certaines entreprises et certains secteurs industriels en disant cette taxonomie est beaucoup trop restrictive et dangereuse pour l'économie et la compétitivité de
Ça serait vrai si la taxonomie était ce que ces gens-là disent, c'est-à-dire une injonction à n'investir que dans la taxonomie, ce que ce n'est absolument pas. La taxonomie est une photographie, un point de convergence sur voilà les solutions vers lesquelles il faut effectivement apporter de l'argent, mais à aucun moment on ne dit qu'il faut investir que là-dedans, ça serait stupide. Il y a tout un tas, encore une fois, de secteurs qui ne sont pas forcément concernés, et puis il y a des secteurs en transformation aussi, des secteurs en mutation qu'il va falloir accompagner, et dont on sait très bien qu'on ne se passera pas, on ne se passera pas demain d'acier, de ciment, d'autres produits de ce type-là, et pourtant, ce ne sont pas des solutions au développement durable, là, tout de suite, à l'instant T. Donc, il faut prendre la taxonomie pour ce qu'elle est et lui faire faire ce qu'elle peut faire et ne pas, lui faire faire d'autres choses et du coup entraîner des angoisses et des craintes comme ça et donc du coup une résistance de la part du monde économique. Ou une impatience de la part de certains milieux écologiques qui trouvent que justement ça n'est pas assez ambitieux ou assez contraignant finalement, puisque ça n'est que incitatif, enfin informatif, même pas incitatif d'ailleurs, puisque c'est informatif. Donc, c'est là où de temps en temps il faut mettre des chiffres et montrer les choses, c'est-à-dire que effectivement si on dit mais il faut réinvestir que dans la taxonomie, voilà, ça représente 3% de l'économie mondiale aujourd'hui, donc on ne va pas investir aujourd'hui tous les actifs dans 3% de l'économie mondiale, ça serait absurde, dangereux, ça créerait des bulles financières absolument monstrueuses qui auraient beaucoup de mal ensuite à être résorbées, donc ce n'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Vous étiez il y a pas longtemps à Marseille au congrès de l'IUCN. C'est vrai que quand on parle de taxonomie ou quand on parle de la finance verte, on pense très facilement climat. Or aujourd'hui, on voit bien on sait maintenant qu'il y a un sujet qui est tout aussi important, aussi vital pour la survie de l'humanité, mais aussi de l'économie tout simplement. Hein, c'était pas pour tous les services que rend le vivant à l'économie, c'est donc la biodiversité. Est-ce que, à votre sens, la finance a pris conscience de cette urgence de protéger la biodiversité et le vivant? Et surtout, la question est, dans la mesure où autant on peut faire un bilan carbone, d'une certaine manière, c'est relativement fléché et simple aujourd'hui, techniquement presque, pour le vivant, on sait que c'est beaucoup plus compliqué de mesurer l'impact d'une entreprise, l'impact direct et indirect de l'activité d'une entreprise sur la biodiversité. Donc, quelles sont pour vous quelles sont aujourd'hui les réflexions qui sont menées pour mieux intégrer ce sujet de la biodiversité dans l'investissement durable? Alors, je vous disais tout à l'heure que pour le climat, c'était très récent. Pour la biodiversité, vous imaginez que ça l'est encore plus. On peut dire que même c'est pas encore arrivé, quoi. C'est-à-dire que à Marseille, si vous voulez, il y a très peu de financiers. Hein, on était quelques-uns. Mais la finance n'a pas encore pris la conscience de ce sujet de biodiversité. Et d'une certaine façon, vous savez, il y a un peu, à un moment donné, quelquefois, il y a des réactions du type bon, attendez, on n'a pas encore fini avec le climat, et ça y est, vous nous remettez quelque chose par-dessus, on ne va jamais s'en sortir. Quoi. Il y a un côté un peu sans fin. Voilà. Et donc, clairement, oui, il y a une grande difficulté là-dessus. Surtout parce qu'effectivement, on manque de données. Enfin, en tout cas, les financiers vont vous dire, dans un premier temps, écoutez, moi, je n'ai pas de données, je ne sais pas mesurer, donc moi, si je ne sais pas mesurer, je ne peux pas prendre de décision. Mm-hmm. Effectivement, il y a la tonne équivalent carbone pour le climat, on sait ce que c'est. On n'a pas la même chose, on n'a pas la tonne équivalent biodiversité, ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas, et pourtant, on commence à travailler dessus. Il y a des choses qui commencent à se faire. Il y a des gros travaux. Il y a des CDC Biodiversité, par exemple, qui a beaucoup travaillé dessus, avec son Global Biodiversity Score. Il y a cette méthode qu'on appelle la MSA, qui est la Mean Species Abundance, qui consiste justement à calculer une espèce de tonne équivalent CO2, mais qui est en fait un équivalent kilomètre carré. C'est quel est l'équivalent kilomètre carré de dégradation de terre que vous avez induit par votre activité économique. Donc là, il y a des calculs qui sont en train d'être faits là-dessus, qui pourront donner des indicateurs. Et donc, on a lancé, nous, Mirova, avec Sycomore, BNP et AXA, un consortium l'année dernière pour choisir un partenaire pour développer cette base de données. On a choisi une fintech française qui s'appelle Iceberg Data Lab, avec qui on a commencé à travailler, mais il y a d'autres acteurs aussi qui sont en train de rentrer dans le jeu. On a créé une espèce de marché, en fait, qui est en train de se mettre en place. Donc,
On va arriver à ça aussi, avoir des indicateurs dans les années qui viennent de cet impact sur la biodiversité. Je pense que c'est toujours un peu la même chose sur le climat. On a beaucoup entendu, j'ai pas assez de données, je sais pas comment faire pour s'occuper du climat. Je crois que c'est souvent un alibi. On peut commencer à faire beaucoup de choses sans avoir des données extrêmement précises. C'est-à-dire que sur la biodiversité, si vous voulez, à l'ordre 1, les impacts sur la biodiversité, tout le monde les connaît. C'est l'impact déforestation. Donc, vous avez tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire et donc des chaînes d'approvisionnement de l'agroalimentaire. Vous avez évidemment la question du textile qui est très, très, très importante. Et puis ensuite, vous avez évidemment tout ce qui tourne autour de la chimie avec les pollutions qui vont entraîner des gros problèmes. Vous avez la pollution plastique dans les océans. Donc, vous voyez, ces sujets-là sont connus. Donc, même on n'a pas forcément besoin d'avoir un indicateur agrégé en kilomètres carrés ou en tonnes équivalent pour savoir que les entreprises qui font des solutions pour remplacer le plastique, c'est plutôt bien, et celles qui développent le plastique à fond, c'est plutôt pas bien. Donc, il y a un moment où il faut aussi simplifier les discours, quoi, parce que sinon, on s'en sort pas. Je crois que il y a heureusement une très forte. Alors, il y a des différences, il y a des fois quelquefois des divergences, mais il y a quand même sur beaucoup de sujets une très forte convergence entre le sujet climat et le sujet biodiversité. Parce qu'au bout du bout, c'est un petit peu la même logique au démarrage, qui est une logique de prédation de la nature, en fait, dans les deux cas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est que même sans aller vers cette connaissance approfondie de la biodiversité, les grands sujets liés à la biodiversité, je ne dirais pas qu'ils sont les mêmes que sur le climat, mais ils commencent à émerger de façon assez claire. La question de la déforestation, je crois que maintenant, il est assez clair pour tout le monde que c'est un sujet climat et un sujet biodiversité en même temps. D'une certaine façon, le sujet plastique est un sujet climat et un sujet biodiversité en même temps. Donc, vous avez quand même cette très forte convergence qui existe et qui va nous permettre, je pense, d'aller vers effectivement cette prise en compte plus importante de la nature. C'est la même chose sur l'agriculture, évidemment, aussi. Vous mentionnez qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des indicateurs nécessairement très sophistiqués et chiffrés pour agir. Une des façons d'agir, a été présentée lors de notre dernier grand live avec Emery Jacquia, qui est donc le président de la communauté des entreprises à mission. Et je vous invite d'ailleurs à les retrouver, à écouter ce live si en replay, si vous n'aviez pas pu être là. Emery Jacquia a partagé avec nous des signaux extrêmement positifs en termes de performance des sociétés à mission, même si c'est encore très tôt, parce que là aussi, comme vous le disiez, c'est quelque chose de récent et on a encore peu de bilan et le nombre d'entreprises, même s'il augmente extrêmement rapidement proportionnellement, mais en valeur absolue, il reste encore peu important. Donc, on n'a pas beaucoup de recul pour pouvoir faire des analyses fines de la performance de ces entreprises si leur performance a évolué avec le changement de statut. Il n'empêche qu'ils partageaient avec nous beaucoup de signaux très positifs et que nous entendons au grand défi, on entend les mêmes signaux positifs de la part d'autres acteurs qui sont passés, enfin qui ont choisi le statut d'entreprise à mission. Quel est votre regard? Est-ce que pour vous, justement, est-ce que vous pensez que la loi PACTE et la mise en œuvre de ce statut, si je puis dire, fonctionne bien sur le plan financier? Est-ce que ces sociétés sont jugées par vos pairs comme financièrement attractives? Parce que évidemment, si elles le sont, ça va amplifier, accélérer le mouvement et pour le coup, ça permet d'agir sans avoir nécessairement besoin de tous les indicateurs prêts pour cela. Oui, je ne sais pas si cette question de l'attractivité financière aujourd'hui, d'abord je pense que c'est impossible de répondre à cette question-là d'un strict point de vue, j'allais dire quasiment statistique, c'est-à-dire que il y a 250 entreprises à mission en France aujourd'hui, donc autrement dit, c'est microscopique. Tirer des conclusions à partir de ces 250 entreprises qui sont par définition un échantillon extrêmement biaisé parce que ce sont évidemment les militants des militants qui ont commencé là. Vous allez trouver effectivement Emery avec la CAMIF, nous,
Brice Rocher avec le groupe Rocher, Danone, etc. On est dans le monde de ce qui est, enfin, la toute petite partie émergée de l'iceberg avec les militants. Donc c'est extrêmement difficile de tirer des conclusions là-dessus. Et puis par ailleurs, l'entreprise à mission en tant que telle, c'est quelque chose qui, on a une loi qui explique plus ou moins ce que c'est. Mais entre ce qui est écrit dans un texte et ce qui est ensuite dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une entreprise à mission? On en est encore très loin de comprendre ce que ça peut apporter. On est dans l'expérimentation pour moi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des entreprises à mission très très différentes. L'entreprise à mission, quand on est une entreprise familiale, quand on est une filiale d'un grand groupe comme Mirova, ou quand on est une boîte cotée en bourse avec le plus gros actionnaire qui fait 3% comme Danone, vous voyez bien que vous avez des situations qui sont tellement différentes, et notamment que la relation entre le comité, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise à mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir sa raison d'être, écrire sa raison d'être dans ses statuts, et puis ensuite avoir un comité de mission qui représente l'ensemble de vos parties prenantes et qui s'assure que vous êtes bien dans les rails de cette raison d'être, qui fait un rapport tous les ans, qui est validé par un organisme tiers indépendant qui vient valider ce rapport. Voilà en gros ce que la loi demande dans les entreprises à mission. Vous voyez que notamment la relation entre qu'est-ce que fait ce comité de mission, qu'est-ce qu'on lui demande, à partir de quel moment on lui demande son avis, quelle est sa relation avec le conseil d'administration de l'entreprise, sont des choses qui aujourd'hui sont encore à écrire. Brice Rocher est en train de rendre une mission... son rapport à la ministre Olivia Grégoire pour justement aller de l'avant et dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas là, sur la première évaluation de la loi. On en est au tout début. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est de se dire on est en train d'inventer potentiellement une gouvernance qui est une gouvernance multipartie prenante, c'est-à-dire où il n'y a pas que l'actionnaire, et où on met autour de la table les clients, les fournisseurs, le monde académique, les salariés, évidemment, l'actionnaire, les collectivités locales, les pouvoirs publics. Et puis, on essaye effectivement de construire autour d'une raison d'être, autour d'un objectif. On est en train de construire un consensus avec l'ensemble de ces parties prenantes. C'est, sur le papier, extrêmement positif. C'est effectivement vers ça qu'il faut aller. C'est le grand défi, d'ailleurs. C'est le grand défi. Absolument, c'est un grand défi. C'est exactement ça. Et donc, voilà. C'est très positif, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Après, encore une fois, est-ce que ça va avoir de l'impact sur la performance financière de l'entreprise? Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Là, on est sur j'aurais du mal à trouver un lien direct, en fait, avec la performance financière de l'entreprise. C'est simplement, il y a plein de raisons très indirectes qui vont avoir un impact sur la performance. J'en prends un seul qui est, par exemple, la recherche de sens. Ce sont des entreprises qui généralement mettent le sens au cœur de leur stratégie. Or, la recherche de sens aujourd'hui est un élément fondamental d'acquisition des talents, par exemple. Donc, aujourd'hui, enfin voilà, moi, pour nous, pour Mirova, clairement, c'est un élément clé. Si on a réussi à construire une équipe que je considère comme étant une équipe où on a parmi les meilleurs aujourd'hui sur le marché, c'est parce qu'on est capable de les attirer. Et si on est capable de les attirer, c'est en grande partie parce que justement, on arrive à montrer qu'il y a du sens à venir travailler dans ce type d'entreprise. Et ça crée de la performance économique et donc de la performance financière. Vous voyez, ce type de relations-là, ce n'est pas des relations immédiates en disant parce que vous êtes entreprise à mission, les investisseurs vont venir, vont débouler, donc automatiquement, ça va avoir plus de performance. Ce n'est pas ça. C'est construire des choses dans le long terme où on se dit que ce consensus, cette diversité, le fait de bien travailler avec ces parties prenantes, notamment dans les moments difficiles, ça peut être aussi, alors là je vous parle de l'attractivité et du sens, mais ça, y compris dans les moments difficiles, ça peut être très important. On l'a vu par exemple dans le cadre du Covid avec la question des chaînes d'approvisionnement, et on continue à le voir avec les chaînes d'approvisionnement. Considérer que son fournisseur, celui qui est dans son chaîne d'approvisionnement, est un partenaire de l'entreprise, est une partie prenante de l'entreprise, c'est extrêmement différent que de considérer qu'il y a un grand marché devant nous et qu'on peut aller chercher ce qu'on veut partout. Et on se rend compte que cette vision-là, eh bien, juste, elle se heurte à la réalité quand on a des problématiques de type Covid ou des problématiques de type accroissement de la demande en Chine qui fait qu'on a pu approvisionner en semi-conducteurs. Ça, c'est ça la vision. Et ça crée de la performance, effectivement, évidemment, à long terme.
Éventuellement, la stabilité aussi dans un ancrage avec ses parties prenantes. Et la stabilité, c'est aussi pareil, c'est attractif, je suppose, pour un investisseur, plus que la prise de risque sur une chaîne de valeur qu'on sait aujourd'hui très exposée si elle est trop longue. Mmh. Je vais prendre quelques questions, parce qu'on a plein de questions sur le chat avant d'en poser quelques autres. Il y a la question, par exemple, de Lionel Fournier qui vous salue et qui vous demande votre point de vue sur l'évolution des normes comptables auxquelles réfléchit l'Union européenne avec les FRAG. Enfin, je ne sais pas si on dit FRAG ou FR. Oui, c'est un FRAG. Ouais. Voilà. Oui, bonjour, Lionel. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les normes. Quand je disais on va avoir des combats de normes, c'est évidemment extrêmement important. Sur les normes comptables traditionnelles, là je ne parle pas des normes extra-financières, mais sur les normes comptables, l'Europe a, depuis maintenant plusieurs décennies, hein, capitulé sur les normes comptables. Les normes comptables ont été abandonnées à une institution qu'on appelle l'IFRS, qui est une institution dite internationale, mais en réalité très dominée par des Américains, et qui a construit la comptabilité des entreprises telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est extrêmement important parce que une entreprise, elle n'est visible de l'extérieur que par sa comptabilité pour l'essentiel, hein, pour les investisseurs. C'est le cadre qui va permettre de transcrire en fait la situation de l'entreprise. Et donc du coup, C'est extrêmement important qu'on ne tombe pas dans la même problématique, dans le même défaut pour les normes comptables extra-financières. Or, il y a des tentatives pour ça. Hein. Il y a une espèce de combat un peu international autour de ces normes extra-financières qui est en train de se mettre en place. Je pense à une entité américaine, enfin une entité qui s'appelle SASB, et qui a fusionné avec l'IRC, qui était une autre institution qui œuvrait pour ce qu'on appelle le reporting intégré, donc créer, voilà, il y a l'IFRS qui est en train de s'intéresser à tout ça aussi, donc les grandes institutions internationales s'intéressent à mettre en place un cadre comptable, non plus financier, mais extra-financier. Et donc, que l'Europe s'intéresse à ça, c'est super important. Et le travail qui est fait par les FRAG, et notamment sous la conduite de Patrick de Cambourg, qui est le président, qui dirige le Centre national de la comptabilité en France, hein, donc, et les FRAG, c'est très important. Il y a en cours actuellement la refonte d'une directive européenne qui s'appelait la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, qui était la directive qui cadrait en fait toutes les demandes de reporting non financière des entreprises, qui est en train d'être revue complètement, qui va s'appeler la CSRD, qui s'appellera plus non-financial, parce que non-financial, c'était un peu bizarre, vous voyez, ça faisait un peu... Alors, c'est non-financier, enfin, c'est le truc non pas important, vous voyez, le truc... donc là, ça va s'appeler Corporate Social Reporting Directive, et donc, ça, c'est en cours, une refonte complète, et on va vers une comptabilité extra-financière avec des standards pour décrire la partie extra-financière de son entreprise. Ce qu'on appelle la triple compatibilité ou la comptabilité 3R ou... Oui, alors ça, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Là, on est en train de parler simplement, quand on parle de cette directive-là, on est en train de simplement dire voilà comment vous allez faire un reporting sur un certain nombre de sujets non financiers, d'accord ? Par exemple, l'empreinte carbone, etc., et d'autres éléments de ce type-là. Il y a des initiatives qui vont beaucoup plus loin que ça et qui visent à refondre complètement la comptabilité financière de l'entreprise en y intégrant les sujets extra-financiers. Donc ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Vous avez un modèle, notamment, qui s'appelle le modèle CARE, qui a été donc développé par un monde académique, enfin des équipes académiques, sous la direction notamment d'un chercheur qui s'appelle Patrick Rambaud, et qui est testé par un certain nombre d'entreprises en France, je pense à Schneider, je pense à quelques autres, et qui vise là à modifier la vision comptable de l'entreprise, en considérant notamment que la nature est un élément du passif de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous commencez une activité économique, vous prenez la nature telle qu'elle est. Si vous ne la rendez pas dans le même état, alors vous devez considérer que vous avez fait une perte qui doit être imputée comptablement à votre comptabilité d'entreprise. Ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Il y a des tentatives d'aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est passionnant. Mmh.
Je vais poser une question, cette fois la question d'Andrea, Andrea Burgio. Quels outils législatifs et réglementaires publics souhaiteriez-vous voir déployés à court terme pour consolider et clarifier le champ de l'investissement socialement responsable et ESG? Bon, alors il y a beaucoup de choses. Pour clarifier le champ, je pense qu'on a besoin de catégoriser les produits, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il y a une première avancée très, très intéressante dans la directive européenne SFDR. Je commence à avoir du mal avec les sigles, là. Mais la dernière directive qui vient d'être de reporting financier, qui vient d'être adoptée par l'Union européenne, qui demande à tous les produits financiers d'être extrêmement transparents sur la façon dont ils maîtrisent les risques environnementaux et sociaux. Et à travers cette directive-là, l'Union européenne a défini trois catégories qu'on appelle article 6, article 8 et article 9. Article 6, c'est tout ça. Bon, ça m'intéresse pas. Quoi. Je ne fais rien de particulier sur les sujets environnementaux sociaux. Article 8, c'est j'intègre les sujets, les impacts environnementaux sociaux et de gouvernance, les critères ESG. Mais je prends en compte ces sujets-là. Mais je ne cherche pas à avoir un impact positif particulier sur ces sujets. Puis la troisième catégorie, c'est article 9, je cherche à avoir un impact positif particulier. Donc tous les fonds d'investissement en Europe ont dû se classifier selon cette classification-là. Et donc, pour vous donner le résultat aujourd'hui à date, c'est que vous avez deux tiers des fonds qui disent qu'ils sont article 6, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas compte du tout. Ouais. 30% qui sont article 8 et 3% qui sont article 9. Bon, voilà, simplement tout ça. On va être en article 9, j'imagine. Nous, on est une des rares, si ce n'est une des seules sociétés aujourd'hui en Europe, à non seulement être article 9, mais avoir tous nos produits en article 9. Vous savez, beaucoup de produits ont des produits article 9, mais qu'il y en a un parmi une gamme de 20 ou 30 produits. Nous, on a 100% de nos produits qui sont article 9. Et donc, voilà, bon, c'est un positionnement. Et simplement, là-dessus, la définition précise de ce qu'est article 9, article 8 n'est pas encore très clairement stabilisée. Et donc, on a des discussions et il peut y avoir là aussi du greenwashing. Et puis surtout, il y a des gens qui disent « Oh, finalement, moi, j'ai la moitié de mes produits sont responsables. » Entre parenthèses, article 8 ou article 9. Et donc là, vous voyez, on mélange tout et on dit « Voilà, entre article 8 et article 9, c'est la même chose. » Donc ça, c'est le premier élément. Clarifier la définition et bien catégoriser les produits. Ensuite, je pense qu'on a besoin d'avoir des labels. On manque de labels aujourd'hui. Malheureusement, on manque de labels qui soient gérés sérieusement et qui soient ambitieux. Les labels français sont pas le label ISR n'est pas de grande qualité. Il est censé être revu là normalement l'année prochaine, mais aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est un label qui ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il n'a pas été modifié depuis plus de 5 ans. Or, comme je vous ai dit, tout s'est passé au cours des 5 dernières années. Donc, autrement dit, c'est un label qui est complètement anachronique, qui est l'état de la situation il y a 5 ans. Vous avez un label qui s'appelle Greenfin, qui est intéressant, mais tout ça est gouverné par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de politique. Enfin, c'est assez compliqué, à manque de transparence en termes de gouvernance, quelquefois. Donc vous avez des labels qui sont pas extrêmement puissants aujourd'hui et qui donc du coup ne permettent pas notamment aux épargnants de faire des choix réellement éclairés. Or ça c'est le point je pense que moi j'attends le plus, c'est effectivement faire en sorte qu'on ait réellement que cette finance durable, ça soit surtout une finance des citoyens. Quoi, je veux dire que c'est ça au bout du bout, c'est que chaque citoyen soit en capacité de placer son épargne là où il le souhaite et avec les impacts qu'il souhaite. Ça, c'est je crois, ça l'avancée principale qu'on peut attendre. Alors justement, vous parliez de l'article 8 et l'article 9. Il y a Christophe Marmelera qui vous demande quels sont les critères de durabilité qui sont utilisés chez Mirova. Alors pour le coup, pour l'article 9, puisque tous vos produits sont en article 9. Voilà, quels sont vos critères? Est-ce que vous avez élaboré, donné votre grille, partagé votre grille, ou est-ce qu'on peut la trouver? Alors, vous pouvez la trouver. Alors, c'est évidemment, il me faudrait des heures pour vous expliquer tout ça. Mais, je veux dire, oui, on a une analyse des entreprises et des projets qu'on fait en interne. On a 20 personnes qui sont dédiées à l'analyse environnementale et sociale. On travaille aussi beaucoup avec des partenariats, avec des tiers, sur
je vous l'ai dit sur la biodiversité tout à l'heure, en travaillant, mm-hmm. en faisant émerger une agence de notation de biodiversité. On a fait la même chose avec le carbone en étant à l'origine de la création de Carbone 4 Finance il y a quelques années. Donc voilà, donc on est à la fois une très forte capacité d'analyse en interne et ensuite beaucoup d'open source et beaucoup de travail avec des partenaires. Mm-hmm. Ça, c'est la façon de travailler. Et puis tout ça, ça amène à avoir une vision, un avis en fait, hein, sur une entreprise. On n'est pas, nous, des fanas des avis purement quantitatifs et de maîtriser toutes les données. On aime bien l'analyse qualitative aussi à la fin. Et donc, à la fin, c'est quand même un avis qu'on donne sur une entreprise. Mm-hmm. L'avis, évidemment, est multiforme. Il dépend de plein de choses. Il dépend de la façon de se comporter de l'entreprise sur tout un tas de sujets, évidemment, droits humains, sociaux, etc., relations avec les territoires, c'est la gouvernance des parties prenantes dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ça dépend aussi beaucoup des produits et services de l'entreprise. Est-ce que les produits et services aujourd'hui sont des solutions au développement durable? C'est quand même évidemment clé. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre sélection. Si vous voulez en savoir plus ensuite sur la façon dont on le fait secteur par secteur, vous avez sur le site de Mirova toute l'analyse secteur par secteur. Donc, vous allez prendre, il y a des fiches sur un secteur donné. On part de quoi ? On part de ce que j'appelle le business plan de la planète, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, hein, les ODD. On part des ODD et on se dit, voilà, sur ce secteur donné, par exemple, prenons la pharmacie, par exemple, c'est quoi les enjeux du secteur de la pharmacie quand on regarde le business plan, les ODD ? Et donc, on va regarder, c'est l'accès aux médicaments dans les pays en développement, c'est le packaging, c'est la façon dont on fait les tests sur les animaux, c'est évidemment l'impact climat. Et on va donc faire le mapping, en quelque sorte, de tous ces impacts-là, qui sont évidemment différents quand on regarde la pharmacie, puis quand on regarde évidemment ensuite l'automobile ou autre chose. Et ensuite, sur chacun de ces sujets clés, on va essayer de déterminer quel est le bon comportement, quelle est la bonne réponse de l'entreprise. Quelles sont les entreprises qui sont le mieux positionnées, qui offrent la meilleure réponse à ces enjeux? Voilà après comment on travaille. D'accord, merci. Alors, il nous reste encore 7 minutes. Je vais vous poser 3 dernières questions. Je vais d'abord prendre la question de Carole Hainaut, même si je vais peut-être après la reformuler légèrement. Carole nous écrit « Bonjour, si la taxonomie n'est pas vraiment contraignante, comment la finance peut-elle concrètement accélérer la transition ? Faut-il compter uniquement sur la prise de conscience collective ? » Et moi, en fait, j'ai envie de reformuler la question, parce qu'on a un petit peu répondu partiellement à cette question. C'est à quel moment il faut passer de l'incitation, de l'information à la contrainte ? Voilà. Bien sûr. Alors, en fait, moi, je pense que la réglementation, elle est intéressante à deux moments, si vous voulez. Je ne crois pas à une réglementation qui soit contraignante partout et qui dirige tout, etc. C'est pas notre modèle et je ne pense pas qu'il faille aller vers ça. En revanche, je pense que la réglementation est intéressante à deux moments. Elle est intéressante au démarrage, pour enclencher des choses. C'est montrer que les pouvoirs publics sont soucieux d'un sujet. Enclencher, donner une direction. Ça, c'est très important. Et donc, par exemple... Et ça peut être des normes, par exemple, je sais pas moi, les normes sur les émissions de carbone des véhicules, par exemple, c'est super important. On voit bien qu'on enclenche quelque chose. On ne peut pas enclencher un mouvement industriel sans à un moment donné dire, voyez, on va vous demander progressivement de baisser les émissions des véhicules. Et puis, il y a un moment donné, il me semble, où le marché se met en route aussi. Et alors, je ne suis pas un fan du marché surtout, et je pense que le marché a beaucoup de défauts, mais quelquefois, le marché a des qualités. Et il a la qualité de mettre en mouvement les choses. Et quand ce marché se met en route, ça accélère beaucoup plus vite et ça dépasse assez vite la réglementation. Je prends juste quelques exemples. Je reprends l'exemple de l'automobile, si vous voulez. Il y a les normes européennes aujourd'hui. Et puis, il y avait la réglementation qui commençait à dire on va arrêter de faire des véhicules thermiques en 2040 ou en 2045. Et puis là, vous avez beaucoup Volkswagen et d'autres qui annoncent non, mais attendez, on ne va pas attendre 2040, 2045, nous, on va arrêter en 2035. Et donc là, vous voyez bien que le marché se met en situation d'aller beaucoup plus vite que la réglementation.
Ça a été la même chose sur les produits financiers et la façon dont on les offre aux particuliers. Vous avez, il y a 3 ans, dans la loi Pacte, une disposition qui dit tous les contrats d'assurance vie doivent avoir au moins un produit labellisé climat et un produit labellisé environnement et solidaire. Vous voyez, donc c'est un. 3 ans après, cette disposition, et alors cette disposition, comme le gouvernement a très peur que ça froisse les assurances, etc., ils leur ont donné 3 ans pour mettre en œuvre. Donc ça n'arrive à être maintenant en œuvre qu'à partir du 1er janvier 2022. Bien, c'est complètement anachronique. Le marché a dépassé ça très largement. Aujourd'hui, des produits, il y en a partout. Il n'y a plus un contrat d'assurance vie qui n'a pas un produit labellisé. C'est pas vrai. Ils en ont tous 10. Donc, c'est une disposition qui arrive dans la loi et qui sert à rien aujourd'hui parce qu'elle est anachronique. Donc, il y a un moment donné où je crois que le marché dépasse la réglementation. Mais, et c'est là où je trouve qu'il y a une troisième phase qui est, j'allais dire, un peu la voiture balai. Et là, c'est important que la réglementation, à nouveau, soit active. C'est d'éviter le greenwashing et d'éviter que les gens disent n'importe quoi. Et donc là, c'est s'assurer à un moment donné qu'effectivement, une fois que le marché a avancé dans la bonne direction, que ceux qui sont présents en retard soient rattrapés et donc on les remette dans le bon niveau. Et donc on remonte les exigences largement suffisamment pour pouvoir rattraper et faire la voiture balai du reste de l'économie. C'est un peu caricatural, c'est histoire de mettre ça dans un narratif et de raconter l'histoire, mais je crois que voilà. Je ne crois pas donc du coup à un passage brutal d'un moment où on se dise on est incitatif et puis boum, parce qu'on en a ras-le-bol, on passe à l'obligation. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'on est plutôt dans une dynamique de on enclenche, on laisse, on fait tout pour que le marché prenne en charge les choses. S'il le prend en charge tout seul, tant mieux. Et s'il ne le prend pas en charge suffisamment, alors à un moment donné, il y a une voiture balai qui vient pour s'assurer qu'effectivement, on aille dans la bonne direction. Ouais, écoutez, je vous remercie parce que c'est… Vous venez de décrire aussi ce qui a inspiré le grand défi, l'idée du grand défi qui est de réunir des parties prenantes pour accompagner les entreprises dans leur recherche de solutions sans que la réglementation soit la seule incitation, mais plutôt par une convergence d'intérêts et d'enclenchement d'une dynamique. Alors justement, à propos du grand défi, ça sera ma dernière question. En quoi est-ce que le grand défi pour vous peut aider justement pour accélérer la transition d'une manière générale? Quel frein le grand défi pourrait-il lever qui pourrait faciliter cette transition? Et si vous avez des conseils à nous donner, évidemment, on est extrêmement preneurs. Non, alors en 2000, ce sera difficile, mais je crois que l'entreprise est au cœur de ce qu'il faut qu'on fasse dans les années qui viennent. On est dans un monde où il y a une rupture de confiance majeure entre les citoyens et la politique, on le voit, entre les citoyens, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, mais aussi entre le secteur public et le secteur privé quelquefois, et donc cette méfiance qui est en train de se généraliser, et bien on a bien du mal à se dire comment on arrive à trouver une solution. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde politique est en incapacité quasi totale à offrir cette solution-là, tout seul en tout cas. Et l'entreprise est probablement un des endroits où on peut recréer cette confiance, pour plein de raisons, parce que c'est là où effectivement on a l'ensemble des parties prenantes autour de la table, parce qu'on est aussi à un niveau où, suffisamment petit, où on peut commencer à avoir ces discussions qui sont pas trop macro, parce qu'il y a un lien avec les territoires aussi qui peut être très important. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que je crois que l'entreprise est un bon endroit pour essayer de tester ça. Et donc, du coup, pourquoi le grand défi? Parce que justement, si on veut créer ce consensus au sein des entreprises, bien aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut créer ce consensus au sein des entreprises. Autant, pour être franc, autant vous dire que j'étais assez sceptique sur la convention citoyenne. J'ai pas été un. Pourquoi? Parce que précisément, je pense que au niveau des citoyens, nous avons les endroits pour. Enfin, il y a une représentation nationale, et donc le conflit potentiel entre la convention citoyenne et la représentation nationale m'inquiétait, et on voit un peu où ça aboutit finalement à la fin. Sur les entreprises, je pense que c'est assez différent. On n'a pas il n'y a pas d'Assemblée nationale des entreprises aujourd'hui. Il y a des syndicats, certes, mais il n'y a pas d'Assemblée nationale des entreprises. Et donc, je crois que cette utilité de créer du consensus, de mettre toutes les entreprises autour d'une table et d'avoir cette démarche, c'est en tout cas quelque chose qui vaut largement le coup d'être tenté. Et donc, c'est pour ça que je me suis laissé convaincre.
Ben merci beaucoup, Philippe. Vraiment, c'est d'une part, c'est passionnant. Ensuite, vous avez un talent fou pour expliquer des choses complexes, les expliquer simplement et les rendre parfaitement accessibles. Donc, pour tout ça, merci. Et merci puis, merci à tous pour nous avoir accompagnés dans ce grand live. Je rappelle qu'il est possible de le revoir et de le partager sur LinkedIn. Et je vous encourage évidemment à suivre notre actualité, notamment sur notre page LinkedIn, mais aussi sur notre site et notre newsletter pour retrouver les prochains grands lives, pour vous inscrire pour les prochains grands lives. Et je vous promets qu'il y en a plusieurs qui seront tout aussi passionnants que celui d'aujourd'hui. Donc, merci encore, Philippe, et à bientôt à tous. Et pour ceux qui vont déjeuner peut-être tardivement, et ben bon appétit. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.